Hi everyone, today I'm gonna teach you how to write uh, the sentence in French. Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette leçon, nous allons donc voir ensemble comment construire et utiliser le phrase. botina bande kuniyo suba kula nanga i lelo na ku tang sabino dengeni ni to to kumaka ba phrase na ku sale le france na za ok so guys everything is free okay you don't have to pay me okay so um in case you don't get it please you watch it uh, several times you should be good okay so i'm here to help okay we're gonna look at uh, la phrase simple, la phrase composée, so we're gonna look at different type of uh, sentences, okay, so um yeah so here so la phraseologie, la phrase est un ensemble de mots, okay, again, so la phrase est un ensemble de mots. This one silent, okay. This one is silent too, okay. So we don't read it, okay. So here we link it, okay. When you read, so la phrase est un, so it becomes like ensemble de mots. So here you're gonna hear like mots mots, okay. So uh, le sujet, okay. So when you read, you have to be careful here. You see this one. so like no okay so it's come from verb this uh, uh you're gonna hear uh these some people like, when well it's depending how you use it in some situation you're gonna say des disunited okay so when you read le sujet et le mot, okay le sujet et le mot ou groupe de mots, okay this one is silent you don't pronounce it disunited okay lettre here OK, we link it lettre ou la chose. Donc on here we you can link it if you link it, it's okay if you don't link it, it's okay. On spring l'action ou l'état. OK? So here we link it together, OK? So le pasteur écrit la neige tombe. Again, le pasteur écrit la neige tombe. So uh, the pastor this one in english pastor uh, then uh, la neige, snow fall and then here come from verb uh, uh, to write okay so le sujet okay, so this part is uh, we, we're gonna talk this one it's a part of uh, la nature du sujet okay le sujet peut être un mot Un pronom, un infin infinitif et une proposition. Ok So, la nature du sujet est nom. I can, I can put un nom, it's ok. Gulin travaille. La nature du sujet est pronom. Ok Il travaille. La nature du sujet est infin infinitif. Ok And then we have a uh, uh, lire permet permet d'accéder. So here, when we read, okay, lire permet. Here we link it, okay. Da, c'est de. You see one. So here's gonna be da c'est de au fond secret de la. So here, this one instead of saying de la. We don't want to say that. So become de l'autre. De l'autre. Not de, de la la. No. Here become oh This one. L'autre. Okay? So I'm going to go slow in case you don't get it. So it's like au fond secret de l'autre. So this one will link together. Okay? So lire permet. D'accéder au fond, c'est créer l'autre. Slowly, in case you don't pronounce it correctly, it's okay. No big deal. If you don't get it right here, I'm okay. But try to um, try your best as you can, okay? So, la nature du sujet est proposition. Okay? So, qui a bu boira? So, you see here? This one sound ki a bu Bua ra. So you can say like ki a bu. Okay, this one you link it together become like ki a, yeah ki -a bu wa ra. It's uh, it sounds a little bit when you hear. Doesn't sound right, but mm, that's the way you, you pronounce it. So, you can say, qui a bu, boira un, qui a, qui a bu, ok? So, we come here, um la place du sujet, avant le verbe, habille, voie, emi émis, voie, habille. If I go back a little bit, if I go back a little bit, in case you don't get it, I go back a little bit, here, we talk about the noun, le nom. so in this case le no is gulin gulin travail gulin okay it's like a subject this one the verb so here we talk about the pronoun il travaille so il is a pronoun okay this one is a pronoun and then this one is a verb i mean a noun okay uh in this part infinitive is this one LIRE. now uh, la proposition, in this case, we talk about here. Okay? In case you don't get it. We come here. Abi, voit ami. So, in this case, we look at here. Okay? So, Abi, voit ami. So, Amy also can become a subject before the verb. So, Amy, voit Abi. Okay? J'aime. J'aime mes parents. gavin okay. prend son livre kevin prend son livre justin aime à lire okay so you're gonna see the subject is here the verb is this one the subject is right here the verb is right here the subject is right here the verb is right here okay so the subject is a, uh, uh, um, the verb is right here okay This is the subject, this is the verb, okay? We come here. So, um, Justine aime la lecture. Okay? Again, Justine aime la lecture. J'aime mes sœurs et frères. J'aime mes frères et so here, j'aime mes sœurs et frères. Who sont sœurs frères? Sister, brother, Okay. J'aime mes sœurs et frères. Nous parlons à nos parents. Nous parlons à nos parents. Gulin donne de jouer aux enfants abandonnés. So, we link here. This one is like the toys. Gulin donne de jouer aux enfants aux ans aux enfants abandonnés, ok? So, Abby va à l'école. Abby va à l'école. Abby va à l'école chaque jour. Chaque jour, Abby va à l'école. Hein? So here, après le verbe. So when we look at it comprenez-tu so, qu'on prenez tu okay we don't read this silent par ton par ton ici here par we link it ton prenez-tu de la limonade so here's not limonade no not limonade no Le. okay so prenez-tu du café this one silent you don't pronounce it You don't prononcez it, okay? So we come here. Bien, bonjour, bonsoir, salut, okay? Not salut, so bien, bonjour, bonsoir, salut. Okay? So this one is en phrase minimal, okay? So if you take a look. Viens, viens, bonjour, bonsoir, salut. You don't see, it doesn't have a verb when you take a look. Okay. So bonjour est une phrase minimale qui ne contient pas de verbe. Okay. Bonjour doesn't have a verb. Okay. So now we're gonna look at uh, la phrase uh, simple. Uh, inside of the uh, uh, phrase simple, we have one subject, we have verb, we have complement. Okay, so here is two, here is three, here is one. Okay, la phrase simple. Okay. So, the easy way, If in, in, in case you don't get it, la phrase simple has only one verb. If I go back, hein? if I go back here, that's what I'm talking about. Okay? The verb, only one. Hein? I'm here. So, les éléments d'une phrase simple sont le sujet, le verbe, complément. Hein? We come here. So, um, When you look, that's why I end up write like this. Le sujet est le qui désigne l'être ou l'objet. Donc, on dit ce qu'il fait ou subit. Okay, c'est est. Okay. So, um, when you take a look, the example I put here, par exemple, je mange cette mangue. Je vais manger du devine mange du riz Ton frère est menteur maman prépare du riz je vais à l'école so when you take a look we have a verb only one ah hein? this is the verb here same thing one Here same thing here same thing here same thing here same thing Okay. so when you look at this uh, sentence All of them, each of them has only one verb. Ok? Je mange cette mangue. Kevin mange du riz. Je veux manger du riz. Ton frère est menteur. Maman prépare du riz. Je vais à l'école. Ok? So inside of those uh, sentences, ok? We have only one subject. I mean, uh, sorry, um, one um, we only have uh, a verb, one verb. Ok? So we look at here. Je mange une banane. Mon professeur, mon professeur est malade. Ma professeure est malade. L'or est un métal. Lucie est bleu. Notre manager sera Marie. Okay, so when you take a look, we have here the verb. Okay, je mange une banane. This is the verb. Mon professeur est malade is a verb come from verb être ma professeur est malade This one is a verb l'or est un métal so here the verb le ciel est bleu here is a verb notre manager sera marie so here is verb être but uh, when you take a look it's futur simple okay we come here la phrase composée phrase composée has a few verbs so um when we dealing with uh, la phrase composée you gonna see we have like two verbs maybe three it depends it could be like four but uh, la phrase composée is different than uh, la phrase simple okay or minimal okay So, we come here exemple le pays d'Afrique sont riches en sous-sol mais ils n'ont pas de bons dirigeants politiques. Le pays d'Afrique sont riches en sous-sol, mais ils n'ont pas de bons leaders politiques. Le pays d'Afrique sont riches en sous-sol, mais ils n'ont pas de bons leaders et managers politiques. Je pense que c'est bien de croire en Jésus. Ma vie appartient à Jésus à partir d'aujourd'hui. I'm gonna go slowly. Le pays d'Afrique, here we link it. Le pays d'Afrique sont riches en sous-sol. OK. Mais, ils n'ont so we, we pas de bons dirigeants politiques. Le pays d'Afrique sont riches en sous-sol. Mais, ils, here, silent. We don't pronounce it. Same thing here, silent. We don't pronounce it. Silent, silent, silent. So, on gonna go back here. Okay. Le pays d'Afrique, uh, silent. We don't pronounce it. but Make sure you write it. Le pays d'Afrique sont riches en, en. sous-sol. Mais here, this one become like this. Okay. And then this one is silent. Mais ils n'ont pas de bons dirigeants. Politique. Le pays d'Afrique sont riches en sous-sol, mais ils n'ont pas de bons leaders politiques. Le pays d'Afrique sont riches en sous-sol, mais ils n'ont pas de bons leaders et managers politiques. Je pense que c'est bien de croire en Jésus. Ma vie appartient en Jésus à partir d'aujourd'hui. Notre oncle est venu ce matin. Il nous a donné de fruits. Notre tante est venue ce matin. Elle nous a donné de fruits. Notre tante est venue ce matin. Il nous a donné de fruits. Notre tante est venue ce matin. Il nous a donné de fruits. So, when you take a look. Notre oncle est venu. You don't see he here. you don't see he here. Why? Because oncle is a male. Okay. Notre oncle est venu. This one. Notre oncle est venu ce matin. Il. This one is a noun. Is a pronoun. But it's come from this. Instead of repeating it, instead of saying oncle nous a donné des fruits. So we just replace by uh, pronoun. So il nous a donné, il nous a. We link it. Donné de fruits. Notre tante est venue ce matin. Elle nous a donné de fruits. So here you're gonna see we put here because uh, the match, the way we, uh, you know. Je suis. If I say um, Kevin est allé. kevin est allé à paris kevin est allé à paris so I have, to put, I have to put another e or a because kevin is a female okay so you have to be careful okay so that's so do right here because we don't, we, don't wanna, we don't want to repeat that we repeat another this is a noun this is a pronoun Ok? So, phrase est ordonnée. Ok? So, notre oncle est venu ce matin. Et, vous voyez here? Ah! Instead of karma, now we have the preposition. When you take a look, notre oncle est venu ce matin. Karma. Il nous a donné des fruits. Okay. Notre tante est venue ce matin. Karma, elle nous a donné des fruits. Et comme notre oncle est venu ce matin. Again. Notre oncle est venu ce matin et il nous a donné des fruits. Notre tante est venue ce matin et elle nous a donné des fruits we come Regardez, hey, Look, there's a few change here. Quand notre oncle est venu ce matin. So we have something new here. OK? When our uncle. So that's what I'm trying to say here. Quand notre oncle est venu ce matin. OK? Comment puis un uh, virgule, il nous a donné des fruits. OK? Quand notre Tante est venue ce matin. Uh, Virgile, elle nous a donné des fruits. Il donne de say Virgile, non. Notre oncle qui est venu ce matin nous a donné des fruits. So here we change it. We put like qui instead of you know. So what we have done? Notre oncle qui est. This one is a silent. So become like qui est venu ce matin. Nous a donné des fruits. So, when we take a look, there's no karma. We read over. So, notre tante qui est venue ce matin nous a donné des fruits. Notre tante qui est venue ce matin nous a donné des fruits. Hmm? So, Yeah, so I'm gonna stop here for today. So, thank you so much. In case you don't understand, please email me or contact me. I'm gonna try my best as I can to help you. So, thank you so much. You guys take care. Bye bye.